Salut à tous et à toutes, c'est Rotulator 10. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur The Crew en moto pour faire un test de vitesse de moto épisode 2. Cette fois-ci, c'est une moto à la place d'une voiture. Je ferai encore des voitures, hein, vous inquiétez pas. Et j'espère que la vidéo 1 vous aura plu. J'en fais une deuxième pour ça. Au moins, vous me direz en commentaire si ça vous plaît toujours. Mettez un j'aime si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, soit vous mettez un j'aime pas, soit vous faites rien et puis je verrai que ça vous plaît pas. Et puis on se retrouve pour le deuxième épisode de test de vitesse pour la moto, la BMW S1000RR, je crois, c'est ça, ouais. Je vais regarder vite fait pour être sûr. La BMW, alors 2015 BMW S1000RR, voilà, exactement, c'est ça, je vais juste mettre 2015. Puis là on se retrouve encore, alors moi ce que je me suis dit, c'est comme la première vidéo, j'avais pris une voiture full stock. Toutes les tests de voiture seront en voiture full stock, donc ça veut dire si vous voulez vraiment savoir la vitesse max, vous rajoutez toujours... Soit, alors il y a des voitures où vous enlevez 20 km/h, il y a des voitures où vous en rajoutez 20 quand ils sont en perf. En performance quoi. Par exemple, si tu passes de full stock à performance, ça se peut que ça baisse de 20 km/h ou que ça augmente de 20 km/h. Donc les vitesses sont un peu différentes et puis voilà. Bon, en total, on va tester cette moto tout de suite. Alors j'ai changé de route parce que bon, il faut des routes adaptées pour les voitures quand même. Il y a des voitures spéciales, des routes spéciales parce que la route que j'ai utilisée la dernière fois, terre, c'est pas fait pour les motos. Donc bah, c'est parti hein, les mecs, hein. On va tester ça tout de suite. Alors là, mon perso est vraiment pas joli, hein, mais je suis obligé de prendre ça. Alors au début, je vais pas me baisser pour pas aller plus vite parce qu'en fait, si vous voulez, je peux me baisser comme ça, mais ça c'est pour accélérer, tu vois, plus vite. Donc au début, je vais pas me baisser, je vais me baisser un peu quand on sera dans la haute vitesse. Bon, je vais le faire maintenant. Dès qu'on a 250, je le fais. On a 250. Ah, je le fais parce qu'au moins. Alors en full stock, les motos vont pas super vite, hein, mais ils sont déjà pas mal, quoi, tu vois. Putain, y a pas mal de circulation en l'air là. Y a avion, hélico, c'est bordel. Bon, pour l'instant, maximum 294, 215, 96, 97, 98, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 300, peut-être 7, 300, peut-être 7, 306. Donc la moto, peut-être, elle bloque à 306 hein, quand elle est en full stock. Wow. On va faire encore un petit tour. Bon, comme c'était très court, je vais faire un petit peu de roue arrière. Je vais faire un tout petit peu et puis après je vous abandonnerai. Je vais pas faire des vidéos. Je fais des vidéos courtes, pour ça moi j'en fais beaucoup, je vois. Ça va t'arranger à toi de regarder pas mal de vidéos. Parce qu'au total, ça revient à regarder autant de vidéos. Merde, je suis un peu foiré. Ça revient au même, merde. Ça revient au même de regarder de 30 vidéos ou d'une minute. Pour ça, moi, ça fait 30 minutes. Oh, je n'arrive plus à faire de roue arrière. Ça accélère trop vite. Dès le début, ça accélère trop. Merde. Je vois pas en fait mon arrière. Quand je vois pas mon arrière, moi j'ai un peu de mal. Voilà. Ça va être mieux déjà là. Quand je crois, je peux vous promettre que c'est pas facile de faire voir rien. On va pousser un peu. Oh, c'est bon. Quand tu pousses un peu trop, après ça part en arrière trop vite et tout. Aïe. Quand j'accélère et que ça fait un peu de fumée comme ça, regarde, attendez. Quand j'accélère et que ça fait comme ça. Fait un peu de fumée en fait, la roue elle va tellement vite en fait sur le sol qu'en fait la roue arrière elle part super vite en arrière. Il fait beaucoup d'arrière dans une seule phrase. Ouais, j'essaie de tourner un peu à droite mais c'est pas facile. Voilà, ça fait ça. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Hein. Ce sera le deuxième épisode en moto. Et j'espère que le deuxième épisode vous aura plu. Il sera pas très très long, mais c'est pas grave, j'espère, pour vous. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!